Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikulo Mike et dans cette vidéo je vais vous donner une astuce pour avoir des zombies élites en illimité à chaque manche. Alors pour réaliser cette astuce, il faudra déjà lancer sur la map Firebase Z. Ensuite il faudra faire les étapes du secret, donc si vous ne savez pas comment faire le secret, il y a une playlist avec tous les tutos de la map en description, donc n'hésitez pas à aller voir si jamais ça vous intéresse. Ensuite quand vous êtes à l'étape où il faut déterrer les cristaux d'éther, vous allez devoir vous rendre à la zone ouverte qui est juste à côté du dôme. À cet endroit-là, vous allez pouvoir déterrer un cristal d'éther. Ce que vous allez devoir faire, c'est vous tromper de cristal. Donc dès que vous voyez de la fumée noire dans un cristal, donc qu'il y a de la fumée blanche et de la fumée noire, là vous prenez le cristal d'éther. Et là, ça va vous faire file l'étape, ce qui va vous faire spawn 5 zombies imitateurs. Donc ces zombies imitateurs sont compris comme des zombies élites. Et là, vous n'avez plus qu'à les tuer. Ensuite, vous pouvez faire ça à toutes les manches. Donc, vous passez la manche, vous recommencez l'étape et vous vous trompez dans l'étape. Comme ça, ça va refaire spawn 5 zombies imitateurs et ainsi de suite et ainsi de suite. Ensuite, vous les tuez tous et comme ça, vous pouvez débloquer vos camouflages plus facilement et plus rapidement grâce à cette astuce. En plus de ça, il y aura des zombies massacreurs de crânes qui vont spawn en pleine manche. Donc, vous allez pouvoir aussi les tuer ceux-là. Et il y aura sûrement d'autres zombies imitateurs qui spawneront aussi dans la manche. Et si vous voulez, vous pouvez même voyager dans la map. Il y aura sûrement des zombies imitateurs cachés dans certains objets. Donc, ça fait encore plus de zombies élites. Donc, franchement, cette map, c'est la meilleure map pour rush le camouflage Dark Eater en mode zombie et tuer un maximum de zombies élites. Enfin bref, voilà qui termine cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos, c'était SoCoolMec et ciao, peace.